Alors vous l'aurez compris, je vous reviens pour un tutoriel Halloween, donc j'espère qu'il va vous plaire. Donc pour réaliser la morte vivante, vous aurez besoin de fimo champagne numéro 02 en classique, de fimo blanche numéro 0, de fimo Sahara numéro 70, de fimo caramel numéro 7, de fimo noir numéro 9, de fimo rouge cerise numéro 26 et de fimo rosé en effect numéro 205. Au niveau des outils, vous aurez besoin d'un rouleau. Ici, moi j'utilise un tube de l'isopaïne vide. Vous pouvez très bien utiliser un verre, ça fait très bien l'affaire. D'une pince coupante. D'une feuille de papier pour faire vos mélanges. De dotting tools. Ici, je vais utiliser ceux du kit de chez Sculpé et un autre plus petit. Donc je vais utiliser toutes les tailles. D'un outil à aiguille. Ici, j'ai tout simplement fait un boudin de pâte beurre dans lequel j'ai planté une aiguille, d'une lame, donc moi je vais utiliser un scalpel et mon couteau, mais un des deux fait très bien l'affaire, d'un cure-dent, de fimo liquide, d'un pinceau, de pastel rouge et noir, d'une breloque couteau, d'une tige à tête plate et plein de petites chutes de tige à œil ou de tige à tête plate. Pour faire en fait l'espèce de tige plantée dans son corps. Enfin bref, on commence par faire la tête. Donc pour ça, je prends de la fimo champagne et je fais comme si je voulais faire en fait un dôme pour faire un cupcake tout simplement. Puis je prends de la pâte rosée et je vais l'aplatir assez finement pour faire la robe. Et je découpe donc dans cette future plaque un espèce de triangle donc pour faire la robe comme j'ai dit avant. Donc n'hésitez pas à bien ajuster la robe en fonction de la taille de la tête, etc. Et n'oubliez pas de bien lisser le derrière, donc de bien fixer en fait la robe à la tête. Puis je commence par placer mes éléments. Donc je prends ici trois tiges de tige à œil et je les place un peu en quinconce en bas à droite de sa robe. Et je fais des points en fait au dotting tool tout autour des extrémités. Et donc en fait à chaque fois qu'on va placer quelque chose où il y aura du faux sang par après, on va faire des petits trous avec le dotting tools. Voilà, comme ça c'est dit. Puis j'ai coupé en fait l'anneau de ma breloque couteau et je viens le placer, donc l'anneau bien sûr, en bas à gauche cette fois-ci de ma robe. Et je place en fait un petit boudin de pâte rouge cerise dedans, puis je le tournicote autour de l'anneau. Enfin voilà, vous faites vraiment comme vous voulez pour cette étape. On n'oublie pas les petits trous. Et donc maintenant on va réaliser le cœur. Donc pour réaliser le cœur, je prends de la pâte cerise et donc je fais un espèce de petit ovale, voilà, un dôme en forme d'ovale. Et avec une autre boule, je la roule pour en faire un boudin
Et avec ce boudin, je vais former les artères et les vaisseaux sanguins. Donc, je vais commencer par les artères en faisant un boudin un peu plus épais. Et donc, je découpe des petits morceaux et je les place donc sur mon cœur un peu n'importe comment parce que je n'ai pas cherché vraiment à faire quelque chose de très réaliste. Voilà, j'ai essayé de faire le minimum, mais après, c'est clair que pas tous les éléments sont forcément là. Et à l'intérieur donc des artères, je vais faire un petit trou, enfin un petit point avec mon dotting tool, mais je vous montre après de toute manière. Donc j'ai décidé d'en placer une en bas et trois en haut, dont deux côte à côte. Et donc là, je fais les petits trous. Puis pour les vaisseaux sanguins, j'ai continué de rouler mon boudin, mais très finement, et je les place un petit peu n'importe comment sur mon cœur. Puis pour donner un effet vieilli, je prends du pastel noir et mon pinceau et j'en mets un peu partout sur mon cœur. Donc attention à pas trop en mettre, sinon vous allez vous retrouver avec des grosses taches. Moi c'est ce qui m'est un peu arrivé la première fois que j'en ai mis. Mais après, en fait, vous préférez bien estomper votre pinceau que d'en mettre 3 tonnes. Puis je vais passer aux cheveux, donc pour ça j'ai pris ma pâte caramel et je la roule très finement en une plaque. Puis je prends mon personnage et donc je lui mets ses cheveux sur la tête. Hein, voilà. Vous faites un petit peu comme vous voulez pour cette étape. Si vous voulez lui faire des cheveux bouclés, faites-lui des cheveux bouclés. Moi j'ai opté pour la manière la plus simple, c'est-à-dire les cheveux lisses. Et n'hésitez pas à ajuster comme bon vous semble la chevelure. Je viens placer mon cœur que j'ai fait précédemment à l'endroit où se trouve le cœur et je vais venir en fait couper un petit morceau avec mon scalpel, enfin faire une tranchée pas complète mais juste sur un petit bout parce que je vais me servir de cette tranchée en fait pour planter mon couteau à l'intérieur. Et donc c'est ce que je fais maintenant, je prends ma breloque couteau et je la plante dans le cœur. Et on n'oublie pas de faire les petits points parce que les petits points sont vos meilleurs amis, ne l'oubliez pas. Je vais commencer donc à former le visage, donc avec le dotting tool de taille moyenne, je vais former en fait les orbites des yeux tout simplement. Puis avec une autre chute de tige, je fais la bouche, donc voilà, je la fais horizontale sans aucune expression, voilà. Vu que c'est une mort vivante. Là c'est facultatif mais j'ai décidé de faire une cicatrice donc je trace la cicatrice avec mon scalpel tout simplement. Vous n'êtes pas obligé, moi je trouve que ça fait encore un peu plus gore et puis voilà, c'est le but. Puis j'aplatis assez finement une petite boule de cerise et je la place dans une des orbites des yeux. Oui, c'est ça. Puis donc je vais mélanger maintenant de la pâte rosée à de la pâte Sahara pour faire le cerveau parce que le Sahara est une teinte un petit peu trop foncée. Et là j'ai obtenu une couleur plutôt fade, donc vous voyez j'ai comparé avec la couleur Sahara. Le Sahara est plus jaune et j'ai cherché à avoir une couleur plus pâle justement. Et donc je forme le cerveau. Puis maintenant on va faire les traits qu'il y a sur le cerveau, enfin les plis plutôt. Donc pour ça j'utilise mon outil à aiguille et je fais des traits n'importe comment sur le cerveau. Mais n'oubliez pas que si ça ne vous plaît pas, vous pouvez toujours recommencer. Ensuite, j'ai regardé où est-ce que j'allais placer mon cerveau, j'ai un peu ajusté et avec le plus gros dotting tool, je suis venue creuser dans la tête pour pouvoir y glisser le cerveau. Donc voilà ce que ça me donne. Et donc là, j'ai reformé un petit peu les traits qui sont un peu partis quand j'ai appuyé dessus. Et on n'oublie pas les petits points. Puis ensuite je suis venue faire l'autre œil qui lui est encore à peu près entier. Donc j'ai fait une boule de pâte blanche et je place une mini pupille. Donc voilà, faut vraiment que le bout de noir que vous prenez soit vraiment rikiki rikiki rikiki. Ça va donner un effet encore
plus réaliste, je trouve, que si vous faites en fait une grosse pupille. Et je plante ensuite ma tige à tête plate dans l'œil, voilà. On n'oublie pas toujours que c'est quand même le but d'être gore. Puis on va maintenant donner l'effet sale, l'effet vieilli, donc parce que c'est vraiment trop propre ce qu'on vient de faire. Donc je fais exactement la même technique que j'ai fait précédemment pour le cœur. Je prends du pastel noir et mon pinceau et j'en passe un petit peu partout sur mon personnage. Puis je suis venue verser une petite flaque de fimo liquide pour faire le faux sang. Et j'ai râpé par la suite beaucoup de pastel rouge pour avoir un rendu assez opaque. Et j'ai rajouté à ce pastel rouge un peu de pastel noir pour obtenir un rouge plus foncé. Et je trouve que la couleur est plus réaliste pour faire du sang en fait. Et là, c'est le moment de vous éclater. Donc mettez du faux sang où vous voulez, partout. Donc on va d'abord en mettre dans l'œil, donc dans l'orbite sans yeux, on va dire. Et j'en mets partout où j'ai fait les petits points, en fait. Le but, c'est de recouvrir complètement les zones où on a fait les points. Voilà, de faire quelque chose d'assez gore. Donc éclatez-vous à mettre le faux sang. Voilà, moi, je me suis vraiment amusée à en mettre un peu partout. Et donc après, j'ai pris un pinceau et j'ai un peu étalé le faux sang. J'ai trouvé que ça donnait un effet assez joli, voilà, un peu malpropre. Enfin, c'est le but qu'on recherche. J'en ai aussi mis sur les cheveux. Et voilà, j'en mets sur le cerveau, voilà, j'étale partout. Et voilà, la création est terminée. Il ne vous reste plus qu'à l'enfourner à 110 degrés pendant 30 minutes. J'espère que ce tuto Halloween vous aura plu. Et moi, je vous fais d'énormes bisous. Mouah !